Hello, bonjour, toujours Cathy, toujours sur des petits tutoriels sur vos boîtes mail, ici particulièrement sur la boîte mail de Gmail, et je vais vous montrer de Yahoo, excusez-moi, c'est pour vous montrer sur Yahoo comment vous pouvez lire un message et répondre à tous. J'ai donc ouvert trois boîtes mail dont je me sers pour faire vos petits tutoriels, une boîte de Gmail, une boîte sur Yahoo, et c'est celle-ci qui nous intéressera pour répondre aux messages et Outlook. Je vais donc, à partir de Gmail, de Peter Pan, écrire un message, nouveau message, je vais écrire à Bibi Fricotin qui est sur Yahoo. Je clique ici afin d'indiquer mon destinataire principal qui est sur Yahoo. Je vais afficher le champ copie carbone qui est Robin des Bois sur Gmail, excusez-moi, Outlook, voilà, j'envoie aussi le même message sur Outlook et je vais afficher en CCI Pan Peter, moi-même, afin de vous montrer comment on répond à tous, sachant que lorsqu'on répond, on répond aux personnes qui sont en A, destinataire principal, et en CC, qui sont les destinataires secondaires, qu'il y en ait un ou plusieurs d'ailleurs. Hein, pas de souci. Mais on ne répond pas évidemment à Peter Pan, qui est en CCI, puisqu'il est invisible. En objet, je vais mettre répondre à tous, puisque c'est le sujet du tutoriel. Comme ça, on sait que c'est ce message-là. Et je vais simplement dire ici bonjour. Bonjour à tous, même. Voilà, puisque j'écris à plusieurs personnes. Et j'envoie le message. Jusque-là, vous connaissez la chose. J'envoie le message à Bibi Fricotin, à Outlook, qui est ici, à Robin des Bois. Et je m'envoie même un message en copie invisible à Peter Pan, qui est ici. Voilà. Le but ici, c'est plutôt de vous montrer sur votre boîte Yahoo, qui est ici, de regarder dans la boîte de réception le message que l'on vient de recevoir de Peter Pan, et qui a pour objet répondre à tous. Je clique donc sur le message. On voit bien donc ici, peterpan@gmail.com, ça part donc de Peter Pan, c'est destiné à Bibi Fricotin. Puisque je viens de lire le message, je le vois ici, bonjour à tous, et je vois aussi que c'est destiné à Robin des Bois, qui est sur Outlook. Et je ne vois évidemment pas la copie invisible, qui est Peter. Voilà, le but ici est de répondre à ces destinataires qui sont ici. Donc le destinataire principal, l'expéditeur, hein, qui est Peter Pan Cathy. Et répondre aussi à Robin des Bois puisqu'il est en CC. Je ne réponds évidemment pas à celui qui est en CCI puisqu'il est invisible. Deux possibilités donc pour répondre à tous. Soit ici en bas sur Yahoo, répondre à tous, vous cliquez dessus. Ou ici, les deux flèches qui sont ici, répondre à tous, c'est la même chose. Moi, personnellement, je clique ici, mais vous pouvez faire aussi en bas. On va donc cliquer sur répondre à tous. Et je réponds donc bonjour à tous. Et j'envoie donc ma réponse ici. Voilà. Donc, je réponds à Peter Pan. Je réponds à Robin des Bois, mais je ne réponds pas au CCI puisque je ne le vois pas. Donc, dans ma boîte Gmail, qui est bien Peter Pan, boîte de réception, je viens de recevoir le message répondre à tous et je réponds bien évidemment bonjour à tous. Vous le voyez ici. Et vous voyez aussi que je réponds à Robin des Bois.
Ici sur outlook.com, je vois ici répondre à tous. Je clique dessus. Voilà. Robin les bras. Pas de problème. Je vois ici que j'ai bien répondu bonjour à tous. Et je reçois le message sur la boîte Outlook. Voilà comment répondre à un message pour répondre à tous. À bientôt pour un prochain tutoriel.